Eh bien salut tout le monde, c'est Akuro, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo sur ma ville moderne encore une fois. Du coup en fait pour la vidéo update de la semaine, voilà donc en fait pour ceux qui connaissent pas l'update de la semaine, qui sont nouveaux en fait, c'est tout simplement une vidéo, une série de vidéos où je présente les nouveautés dans ma ville qui sont pas assez importantes pour en faire une vidéo, voilà par exemple des nouveautés d'autoroute et tout. Du coup pour commencer en fait on est dans la nouvelle partie de la ville, voilà vous connaissez un peu cet endroit-ci, voilà si vous avez visité mon serveur, parce que oui d'ailleurs le serveur a été update, du coup vous aurez ces échangeurs-ci, le Walmart et tout plein de le Ikea hein, d'ailleurs vous pouvoir tout visiter cela sur le serveur, voilà. Donc toutes les informations du serveur sont en description. Voilà donc à partir de cette partie-là en fait ici il y a un nouvel échangeur, donc voilà un échangeur routier. Je vais vous expliquer un peu le concept. Du coup en gros normalement vous avez une image présentement qui va vous présenter en fait le truc. Et du coup cette image là je me mets dans le même sens que l'image. Voilà donc je suis à peu près dans le même sens de l'image. Du coup voilà c'est très grand comme échangeur, j'ai la misère à tout le mettre dans tous les chunks. Du coup voilà ça ressemble pas mal à ça cet échangeur-ci, ça fait quoi, ça fait 4h, 5h que je travaille dessus déjà. Il est déjà rendu comme ça, donc voilà vous aurez de toute façon un petit plan pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Du coup en fait ce qu'il y a de stylé c'est qu'aujourd'hui il y a plein de petits trucs nouveaux en fait dans la ville. Parce qu'en fait j'étais pas chez moi cette semaine, du coup j'étais avec mon portable. Du coup j'étais pas chez moi cette semaine, donc j'ai fait un peu de build sur mon portable Asus. Donc c'est pas un portable gamer et j'ai fait quelques petits trucs, voilà. Donc du coup, petite nouveauté ici, un dépôt de pétrole ici, voilà. Donc j'ai fait les petites canalisations et tout, les réservoirs de pétrole, voilà. Donc en fait, c'est tout fait penser comme dans la réalité, tu vois. Donc ici, on a un tuyau qui part, voilà. Ici, on a un deuxième tuyau qui se rajoute, du coup, il y en a deux comme ça, tout le long, comme ça. Donc ça fait le tour ici aussi, on a pareil que ça. Regardez ça ici, on a un autre tuyau, et ça se raccorde comme ça, voilà. Et encore une fois, ici, c'est pareil. C'est une espèce de petit dépôt comme ça. Donc du coup, normalement, ici, je vais faire un bâtiment. C'est pas terminé, bien entendu. Où les tuyaux, en fait, les canalisations vont se relier. Et en fait, un camion pourra venir ici se décharger avec un espace et tout. Donc je trouvais ça stylé, en fait, dans la jungle un peu plus industrielle de la ville. Avec le truck stop, le vieux truc ici, comme ça. Et ça ici. Et du coup, aussi, nouveauté, parce qu'enfin, les rails, en fait, on n'avait aucune idée où... Et comment les rails pouvaient sortir de cet endroit-ci. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savaient pas, j'avais fait une espèce de entrave ou encavure dans le sol, en fait, pour laisser passer le train, puisque le train était trop haut pour le pont. Du coup, voilà, en fait, ça, c'est le train de banlieue. Du coup, le train de banlieue, en fait, il va passer ici, comme ça. Donc, j'ai commencé à faire une petite pente, un petit pont pour le train, ici, parce qu'ici, on a la station d'épuration des eaux usées. Du coup, voilà, le pont, je trouve assez stylé, quand même. C'est un pont de train traditionnel, voilà. Comme ça, donc tout vert et tout, je trouvais ça assez stylé. Du coup, en fait, le train, il va continuer comme ça et il va traverser le fleuve pour aller, bim, tout de suite au centre-ville. Donc voilà, je vais probablement faire tourner, en fait, le pont du train, parce que si le train va tout droit, mais en fait, il va, bim, dans le World Trade Center et c'est pas ça qu'on veut, voilà. Donc, en fait, le train va sûrement passer par ici. Peut-être même je ferai un tunnel sous le truc, hein, je sais pas du tout. Du coup, voilà, ensuite, prochaine nouveauté. Enfin, en fait, ça concerne cet hôtel-ci. Occupez-vous pas de ça, hein, c'est un truc que j'ai fait. J'ai copié-collé, j'ai oublié de l'enlever, donc voilà c'est une espèce de plan dans l'hôtel vu de dessus, d'ailleurs vous l'aurez sur le serveur, voilà si vous allez sur le serveur. D'ailleurs j'ai oublié de faire cette partie-ci sur le serveur, donc il y a quelques petits trucs qui manquent un peu, mais à part ça c'est vraiment rien. Du coup en fait c'est quoi cet hôtel-ci? Ben, en fait c'est un hôtel qui a été rénové de fond en comble, en fait surtout l'extérieur. Donc je vais vous mettre une photo en fait de le premier hôtel à quoi il ressemblait avant. Du coup voilà, si j'en suis en fait la miniature, parce qu'en fait c'est la miniature de la vidéo parce que j'ai pas trouvé d'autres images de cet hôtel en fait avant. En fait je pense que c'est le troisième bâtiment de ma ville, donc on voit déjà que j'étais pas autant fort que ça en build. Du coup sérieusement là c'est beaucoup plus épuré, c'est beaucoup plus réaliste surtout comme hôtel ce que j'ai fait. Je le trouve vraiment bien. Ici aussi, j'ai rajouté des arbres ici, comme ça ici, voilà aussi. Et du coup, pour ceux qui l'auraient remarqué, ben en fait, l'hôtel opère sous la bannière Times. Parce qu'à la base, je me rappelle quand j'ai fait cet hôtel, à la base, je voulais faire un hôtel Times. Voilà, ça n'a pas donné ce que j'espérais, disons. Du coup, voilà, j'ai repris mes anciennes idées de construction, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, j'ai reconstruit sur le modèle du Times. Et voilà, vous aurez une petite image pour comparer. Mais je trouve vraiment bien cet hôtel. Et s'il y en a d'autres qui auront remarqué, autre nouveauté, je pense que c'est la dernière vidéo de nouveauté de cette vidéo, excusez-moi. Le Walmart, donc le fameux Walmart, je sais pas comment on dit ça. Disons que c'était comme l'ancien modèle, hein, parce que voilà, il y a quelques années, ils ont rénové la devanture des magasins.
Du coup, voilà, et je trouvais que wow, ça ressemble pas du tout à la vraie vie. Du coup, j'ai rénové le devant du magasin. Donc, j'ai fait en fait le gros truc. Avant, ici, il y avait écrit Walmart. Maintenant, ils l'écrivent à côté comme ça. Du coup, voilà, Walmart ici en gros, avec ici les entrées du magasin comme ça. Ici, on a encore une fois le Pharma et le McDonald's. Voilà, comme ça. Et pour ceux qui se rappellent, en fait, le McDonald's dans le Walmart est juste ici. Du coup, j'ai enlevé les vitres, tout simplement. Et aussi une nouveauté que je n'ai pas encore parlé, mais ce McDo-là va déguerpir d'ici. Voilà. En fait, je vais juste le bouger de là et je vais sûrement le mettre dans le coin du Ikea parce que voilà, il y a déjà un McDo ici. Voilà, comme vous le voyez, dans le Walmart. Et du coup, ça sert à rien de m'avoir un autre McDo ici, tu vois. Du coup, c'est pour ça. Voilà. Donc, on va bouger ce McDo-là et on va le mettre à un autre endroit. J'ai aucune idée. Mais voilà. Du coup, voilà. Si on fait le tour, en fait, on voit juste que j'ai changé les textures extérieures. À part pour le devant, que j'ai vraiment fait des gros changements, tu vois. Il y a encore la Walmart qui domine ici, comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un coin, je pense. Ah non, c'est juste ça comme ça, d'accord. Donc voilà, encore une fois, le Walmart qui domine cette ville, voilà, qui est un très grand magasin. Du coup, je vous invite à aller voir la vidéo de cette visite de ce magasin ici, dans la fiche en haut à droite, si en fait vous vouliez voir cette vidéo et vous l'aurez jamais vue, voilà. Donc c'est déjà tout ce qu'il y avait en fait comme nouveauté dans la ville. Je trouve que cette semaine c'était quand même assez massif, il y avait beaucoup de trucs. À voir dans les nouveautés. Du coup, en fait, si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, en fait, visite de l'échangeur que vous avez vu tout à l'heure et plein de nouveaux trucs qui arrivent bientôt sur la chaîne, vraiment des trucs nice, sérieusement. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker la vidéo. Vous pouvez aussi aller visiter le serveur qui est en description, c'est gratuit, c'est accepté au crack aussi. Donc, si vous avez une version crack de Minecraft, vous pouvez y accéder. Donc, c'est vraiment cool, hein. Remerciez-moi pour ça, juste avec un like, ce serait génial. Du coup, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, sur ce, les amis, on se revoit dans la prochaine vidéo ou live. Donc, allez, ciao, merci de regarder, allez, à plus.